Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette que j'adore, une recette de pesto. Pas n'importe quel pesto, parce qu'on va utiliser les fans de carottes pour en faire en fait un pesto zéro déchet. Plutôt que d'utiliser du basilic, autant utiliser ces belles fans toutes vertes qu'on aurait jetées. Moi, je vais les récupérer, hop, et en faire un pesto. Je vais prendre un petit mixeur. Et du coup, la première étape, ça va être de mettre dans le mixeur les fans. Donc, ce qu'on veut, c'est ne pas récupérer les tiges très dures comme ça. Donc, on va juste récupérer la partie plus molle de la fan. Ce qui vous reste en fan comme ça, très dur, vous pouvez les garder et le mettre dans votre bouillon zéro déchet dont je vous parle régulièrement dans les vidéos. C'est des choses que vous pouvez garder au frigo et ensuite réutiliser au besoin. Vous pouvez aussi utiliser les fans, là on en fait un pesto, mais on peut aussi les utiliser très bien dans des cakes. Un cake avec du fromage, pourquoi pas du chorizo. Et sinon pour le reste, en fait c'est vraiment un pesto très classique, puisque on va ajouter les mêmes ingrédients. Donc je ne sais pas si vous savez le nombre d'ingrédients qu'il y a dans du pesto industriel qu'on peut acheter en supermarché, mais la liste est très très longue, alors que là, vous allez voir qu'il nous faut vraiment très peu d'ingrédients pour le faire. On ajoute à nos fans de la poudre d'amande. Du parmesan. Alors moi, j'utilise de la poudre d'amande. Normalement, on utilise des pignons de pain. Mais c'est beaucoup plus économique tout simplement d'utiliser de la poudre d'amande et ça va avoir le même effet. Ce qu'on veut avec la poudre d'amande et le parmesan, c'est donner vraiment une bonne texture à notre pesto. Ensuite, on va ajouter une gousse d'ail. Là, je vais juste l'éplucher rapidement. L'ail, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Vous pouvez en mettre plus ou moins si vous aimez beaucoup ou non. Je vais l'éplucher et on va la couper très grossièrement. Ce n'est pas la peine de trop l'émincer puisque de toute façon, on va mixer. Donc là, je vais rajouter une demi-gousse d'ail que je coupe très très grossièrement et le robot va se charger de mixer le reste. Un petit peu de jus de citron. Ça va permettre de casser un peu l'amertume que les fans peuvent avoir. Un petit peu de sel, toujours. Donc pareil, le sel, c'est en fonction de vos goûts. Vous pouvez assaisonner plus ou moins. N'hésitez pas à goûter vos préparations pour pouvoir assaisonner au mieux. Ensuite, on ajoute de l'huile d'olive. Et on va mixer. C'est parti. Ajouter un petit peu d'huile d'olive. L'huile, vous faites en fonction de la consistance que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de plus lisse, de plus épais, à vous de voir. Donc, notre pesto est bien mixé. On va récupérer le pesto, et donc ça, on peut l'utiliser, comme je disais, pour toutes les préparations pour lesquelles vous utilisez du pesto habituellement que vous auriez pu acheter de manière industrielle. Ça s'utilise vraiment de la même manière. On peut faire du pesto, du coup, avec des fans de carottes, des fans de radis, et on peut y ajouter, si vous voulez vraiment rajouter ce petit goût vraiment de pesto classique, quelques feuilles de basilic quand vous mixez. Ou moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter aussi de la roquette, qui donne aussi un petit goût un peu plus original au pesto. Et voilà. Bon appétit !